Amis de la réparation électronique, bonjour. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai montré quelques petits conseils de sécurité, je pense utiles pour se protéger. Et dans tous ces commandements, il y en avait un qui vous disait de décharger les condensateurs des alimentations à découpage, enfin, en règle générale, tous les condensateurs qui pouvaient être chargés avant d'aller tripatouiller dans les montages. Pour ce faire, c'est pas une très bonne idée hein, d'utiliser un tournevis ou d'utiliser directement quelque chose de conducteur, enfin bref, de court-circuiter les bornes de ces condensateurs. D'abord, ça peut faire une sacrée étincelle, ça peut être dangereux, ça peut cramer, voire les pistes ou endommager des circuits imprimés, et en même temps, ça les arrange pas quand même les condensateurs, parce que ça leur donne quand même un appel en courant extrêmement fort, c'est pas terrible. Donc, je vous avais montré une fois que je faisais ça. Avant, j'avais une sorte de petite bidouille avec une résistance, c'était pas terrible. Et là, quand je suis en vacances, je me suis dit, allez, hop, je vais me faire un vrai déchargeur de condensateur, quelque chose de safe, hein, quelque chose de sûr. Et en même temps, je me suis dit, je vais vous présenter, ça peut vous donner des idées. Je mettrai le schéma d'ailleurs sur mon site serob.org. Hein, il y a un lien dans la vidéo, comme ça, si jamais vous voulez le fabriquer aussi, je vous engage à le faire. Hein, on va le voir, un système très simple qui permet d'indiquer si le condensateur est suffisamment déchargé pour pouvoir tripatouiller le montage. Alors, regardons ça. Bien, voici donc CP0079. Hein, on verra tout à l'heure hein, comment il est fait exactement. Donc, comme on peut le voir, c'est quelque chose de très très simple. Hein, il y a un corps ici, voilà, avec ici cette tige conductrice isolée au maximum, et ici l'autre partie. Et il va suffire de le mettre entre les deux condensateurs, sachant qu'ici une LED s'éteindra quand la tension sera autour en dessous de 15 volts à peu près. Ce qui montrera qu'il n'y a plus aucun danger. C'est très simple d'emploi, et il n'y a pas de risque d'erreur de polarité dans le sens où il n'y a pas de polarité, on peut faire comme on veut. Alors pour essayer ça, voilà, je vais charger ici un condensateur de 330 microfarads 400 volts avec une diode, hein, de façon à bien sûr le charger en continu. Hein, donc je vais utiliser pour ça mon super système là, d'ailleurs je ferai bientôt une vidéo pour le présenter parce qu'il y a beaucoup de demandes dessus. Ça sera sans doute la prochaine vidéo. Enfin, pour l'instant, c'est pas le but. Donc ici, voilà, je charge ici le condensateur. Voilà, il est chargé. Et ici, comme on peut le voir, je vais faire ça pour qu'on voit bien la LED. Il suffit de faire comme ça. Voilà, on voit la LED qui s'allume et qui s'éteint ici. Alors, si on veut regarder justement au niveau des tensions, ce que ça donne, c'est assez simple, hein, justement, ici, si on met ce contrôleur ici en mode voltmètre continu, voilà, et qu'on prend la tension aux bornes du condensateur. Voilà, donc là on voit qu'il est déchargé, il a une tension de l'ordre de 7 volts. Donc si je le recharge à nouveau, voilà, donc là ce qui est normal, il monte très haut, hein, 300, presque 330 volts. Et regardons ce qui se passe donc si je redécharge. Alors, on voit que la tension baisse très rapidement. Là, si on veut regarder à partir de quelle tension, il suffit de brancher sur une alimentation, voilà, tout bêtement. Et ici, prendre les deux des deux bouts. Voilà. Bon, je vais couper la lumière, comme ça on va bien voir. Et on va augmenter doucement la tension. Voilà. Voilà, et là on voit qu'elle commence à s'allumer et la tension est de l'ordre de 10 volts. Et après, bon après ça allume plus fort. Et bien sûr, hein, j'ai tout calculé pour que justement il y ait une très grande dynamique. Enfin bon voilà, ce qui est sûr, hein, c'est que même avec de la lumière, elle s'éteint, on la voit bien à partir de 15 volts. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est 15 volts, de toute façon, s'il reste 15 volts, c'est pas dangereux. Donc voilà pour la présentation et l'utilisation. Alors comment c'est fait, hein, ce truc-là? Donc là, j'ai fait un schéma ici que je vais vous présenter. Quelque chose d'excessivement simple. Ici, j'ai mis ici ce pont dresseur qui permet donc ici justement de se foutre de la polarité. Et en gros, si on ne regarde pas cette partie-là qui est juste l'affichage, on voit que ici il y a ici une première résistance là qui limite un peu le courant, mais enfin, on n'aurait même pu la mettre là. Et ici, deux résistances de 1,5K de watts en série. Alors pourquoi deux résistances en série et pas une? Parce qu'on atteint un petit peu les limites des tensions max qu'on peut mettre aux bornes d'une résistance.
Ici, et c'est pas, c'est mieux d'en mettre deux en série. Bon, maintenant, on aurait pu en mettre qu'une, hein, c'est pas non plus la mort. Enfin, donc voilà, cette partie-là, en gros, donc c'est toute la partie ici qui décharge, et c'est calculé pour que, avec un condensateur ici, enfin, moi j'ai calculé en partant d'une base de 350 volts, en gros, il y a 100 milli ici qui passe. Et pour l'affichage ici, alors là, on retrouve un problème que je vous avais déjà montré dans le cas de mon alimentation pour breadboard, c'est d'avoir une LED qui s'allume bien, mais avec une très grande dynamique de tension d'entrée. Donc ici, déjà, grâce à cette zener de puissance ici, je limite la tension à 39 volts. Là, c'est une régulation shunt, il y a une partie du courant là, qui va partir ici dans la zener. Et ici, j'ai utilisé un petit LM337 en générateur de courant, calculé pour donner environ 15 mA à venir, hein, ici dans la LED. Alors, on peut mettre n'importe quel type de LED, hein. Ici, j'ai mis une LED rouge diffusée, mais enfin, à la limite, on peut mettre ce qu'on veut. Donc voilà, c'est comme on le voit, c'est pas très compliqué, hein, c'est assez facile à faire. Il faut bien sûr, par contre, soigner un petit peu l'isolation, hein, parce qu'en effet, il y a des tensions ici dangereuses. Si on regarde un petit peu ici au niveau mécanique, donc là, je me suis dit, allez, je suis en vacances, je vais faire les choses bien. Donc comment j'ai fait ça? J'ai repris ici un tube en plastique, et ici, j'ai tourné ici un petit bouchon avec un trou pour la LED, et ici, hein, ça, il n'y a pas de vis, rien, ça tient par force. On va essayer de l'enlever, hein, voilà. Et ici, comme on peut le voir, il va y avoir ce circuit ici breadboard. Donc, en fait, où j'ai monté exactement le circuit dont je voulais vous montrer le schéma. C'est pas plus bête que ça. Et ici, donc, cette pièce que j'ai fait ici avec mon tour, voilà, qui permet ici de mettre cette tige ici de laiton que j'ai tamé ici au bout. Et bien sûr, après, j'ai rajouté ici la gaine thermo. Alors pour la partie l'eau de fil, donc j'ai choisi ici de faire passer ce fil. Hein, ça c'est un fil silicone hein, qui est très isolant et très souple, hein, vraiment vraiment sympa. Et j'ai récupéré cette vieille pointe de touche. Et encore une fois là j'ai mis ici de la gaine. Hein, l'idée c'est d'avoir les bouts de contact les plus faibles possibles pour éviter les catastrophes. Donc voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Comme on peut le voir, c'est très simple. Et puis bon, alors bien sûr, les inévitables autocollants syrobes qui sont absolument indispensables. C'est bien isolé. Et ici, on l'a bien en main et c'est vraiment très facile à utiliser. Non, non, Maurice, non, non, non. Tu joues pas avec ça. La haute tension, c'est pas encore pour toi. Comme je l'ai dit aussi, hein, tant qu'on n'y connaît pas assez en électronique, faut pas faire le guignol avec le 240 volts. Donc, va jouer avec des piles et m'emmerde pas. Voilà pour ce petit truc à décharger. Alors bon, je suis bien conscient que tout le monde n'a pas la chance de disposer d'un tour qui permet de faire le même boîtier que moi. D'un autre côté, encore une fois, du moment que c'est isolé, on peut imaginer plein d'autres possibilités. Voilà, j'irais même avec deux fils, deux petits bouts de cuivre, hein, de la gaine thermo. L'idée simplement, c'est que, en effet, ce soit bien isolé pour que justement ça reste sécurisé et qu'on risque pas de toucher ou de faire des courts-circuits. Enfin voilà, je veux dire, et on peut faire différentes possibilités. Comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, il y a Electrobidieur qu'on avait montré un. Hein, alors lui, il avait choisi un schéma beaucoup plus simple encore que moi, hein, vu qu'il avait mis directement juste une résistance et puis une autre pour la LED. Pourquoi pas. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage avec ça, c'est que la dynamique en fait de courant pour la LED n'est pas pour moi assez suffisante. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible d'avoir une LED qui va rester allumée de 400-500 volts jusqu'à 15 volts simplement avec une résistance en série avec. C'est pour ça que j'ai fait cette petite adaptation un petit peu plus compliquée. Voilà, pour info, hein, ça m'a pris quand même 4h30, 5h pour faire ça. La conception du montage du schéma, en fait, c'est sans doute ce qui a été le plus rapide. Hein. Après, j'ai fait un essai vite fait sur un breadboard, mais je veux dire, ça a pris quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Mais après, bah voilà, il a fallu faire le montage. Et après, hein, comme c'est souvent le cas, hein, comme j'ai souvent dit, après, c'est la boîte qui était longue. Il a fallu tourner la pièce, d'ailleurs. Je rappelle que c'est pas une bonne idée de mettre son doigt pour enlever les copeaux de plastique sur un tour en fonctionnement. Voilà ce qui m'est arrivé. Donc, ne jamais mettre les doigts. Encore une fois, on le sait, puis on le fait quand même. On se croit toujours plus malin que les autres.
Mais bon, là, je suis assez content du résultat. Je pense que c'est quand même quelque chose qui me servira. Que le grand Farah, dieu des condensateurs, veille sur vos montages et à la prochaine sur ma chaîne. Yeah.